le premier mariage que j'ai assisté, c'était le mariage de la sœur de mon meilleur ami. Puis c'était pas open bar. OK. Fait que nous autres, on était allés acheter des caisses de bière qu'on avait mis dans mon char. Puis la blonde de mon chum était bien insultée. De dire, ça se fait pas, si il y a un bar ici, t'as acheté. Non, mais Chris, je paierai pas 17$ pour un pichet si, à chaque deux minutes. Là, vous êtes fait un tailgate de mariage. Okay, on s'est acheté un pichet, puis après ça, on allait le remplir de nos bières, puis on revenait avec en dedans. Hey, puis je suis pas tout seul. Chris, on était 8 dans le parking en faisant yes, OK. Ah, on était un réseau. Ah. Et là. T'avais quel âge? Quand c'était en 2008. Fait que ça fait 14 ans de ça, j'avais 25. Fait que moi, t'étais déjà sorti de l'université. Ouais, je vais juste. T'avais une job qui payait assez que t'étais pas obligé d'aller. J'avais tous les problèmes. Je payais mes dettes d'études, mon char, mon appart, avec l'alcool, c'est là que je chauvais. Puis oui, quand eux autres se sont mariés, j'ai demandé parce que j'ai dit, tu sais, c'est quoi votre plus grande crainte, là, tu sais? Vous venez d'assister à un mariage, puis elle m'avait dit, toi. Elle m'avait dit, toi. Puis, ouais, fait que c'est ça. Fait que je les avais roastés à leur mariage, puis ils l'avaient fait open bar. OK. Puis, tu vois, dans un mariage, je trouve open bar, en tout cas, de ce que j'ai vécu, le monde reste respectueux. Dans un show, peut-être qu'open bar, en tout cas. Mais j'ai pas vu personne torcher. Moi, j'ai déjà animé un mariage du gérant de la Queue-leu-leu dans le temps que je travaillais là-bas. Ben, déjà, la Queue-leu-leu, référence à Ben. Ouais, de la manière dont tu l'as dit, ouais, tu pensais que t'as lancé. Une référence connue. ouais, j'avais. Puis il y a des gens de d'autres événements qui venaient dans le mariage qui sneakaient in pour venir profiter du bar bill, genre. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça, c'est des tas. Ouais, ouais, vraiment. Ouais. Moi, en plus, je venais de me séparer à cette époque-là, puis j'étais chaud au bar, puis j'animais le mariage. Dit, célébrons l'amour! Ça ne durera pas! Ça doit être lourd, ça! OK, lève ton soulier, mais attache-toi pas, puis c'est à elle, puis repars avec. Mais pour vrai, ça doit être lourd! C'était weird, hein, ouais. Puis j'étais chaud au bar à la fin de la soirée, j'étais chaud au bar. Je me suis comme un peu pogné avec le gérant de la salle, parce qu'il était un peu méchant avec son staff, genre. Il était comme méchant, puis j'étais dans le parking après, puis je suis dit, c'est pas le même qu'on parle. Tu traites ton staff comme ma blonde me traitait moi, tu sais. C'était formidable.